une fois privilège ça pour nous capables dans présence li adorer li en esprit en vérité et nous saluer chaque monde et qui sorti de très loin qui venu par bon ici dans programme 60 ça et nous dit bon Dieu merci d'est-ce que li continuer à faire grâce et nous saluer aussi chaque monde capé suivre service ça à travers les réseaux sociaux que mon Dieu il continue de verser grâce lui à travers la vie. Exode chapitre 19 nous va considérer verset 3 et n'a terminé dans 11e verset. Exode chapitre 19, le verset 3, et n'a terminé dans verset 11. Exode chapitre 19, verset 3 à 11. Assemblée à prier pour nous capables de faire camper, pour nous capables faire lecture ça. Est-ce que nous venons Exode, hein? Exode dans le Nouveau Testament? Ah, c'était ça. Exode chapitre 19, verset 3, n'a privé dans verset 11. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, qui ça le dit? Hein? Et si vous gardez qui ça? La continue, il dit, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi qui ça? Un royaume de sacrificateurs et qui ça? Et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles que, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Verset 8. Le peuple tout entier répondit. Qui ça a dit? Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, qui ça le dit? Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, qui ça le dit? Sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent, qui ça? Le vêtement, qu'il soit prêt pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Acclamez la parole de Dieu, mon doigt chita. Dieu est tellement saint. Il voulait que tout le monde soit approché pour être capable de sanctifier. Dieu est tellement saint, il veut que tous ceux qui veulent lui approcher soient aussi saints. Donc, la sainteté de Dieu lui exigeait l'homme pour le sanctifier lorsque il voulait approcher dans la présence de Dieu. Et par mon monde, Captain Demla, à Soya, qui t'a gagné un petit monde que le gagné, et puis pendant le petit monde, un petit monde a fait besoin sur lui, ou qu'on a besoin, et puis pour mon apprendre, un petit monde a tout besoin de faire sur lui, et puis pour l'embrasser, un petit monde. À moins que le monde a un problème mental, mais l'homme, puisque le fait avec la ressemblance de Dieu,
puisque Dieu son Dieu qui saint, attendez bien, oui, puisque bon Dieu son Dieu qui saint, bon Dieu mettait dans nous la propreté. C'est ça qui fait que l'homme pas qu'à tolérer vivre dans n'importe bagaille. Donc, si vous même en tant que l'homme, si vous êtes petit qui fait besoin sous lui, ou pas qu'à embrasser, maintenant mettez bon Dieu dans place où. Qui j'ai bon Dieu à pouvoir. Maintenant, lorsque le péché lui conduit la vie, même gens, yon papa, yon maman, les gars dont ils ont besoin, qui savent faire l'église, les entraînent en douche avec, pas vrai? Les baignent si mon nom, les changent toute vieille rade qui était sous lit, les mettent l'autre rade, les mettent poudre en bas poil, etc. Juste pour le capable, non niveau, pour l'accepter si mon nom. Donc c'est même gens tout, bon Dieu lui-même, lui pas prendre nous n'importe gens, lui pas accepter nous n'importe gens. Ça va vous dire, attendez bien, ça va vous dire grand pile l'argent pour mettre en tête que bon Dieu prend à tout pile l'argent là. D'ailleurs la Bible nous dit dans le psaume 24 à l'Éternel qui ça, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Dieu pas un problème ça. D'ailleurs, dans Agé, bon Dieu va dire, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel. Donc tout le monde qui a approché de Dieu, Dieu exige. J'ai noté ça dans ce moment. La sainteté, ce n'est pas un choix que lié. Ce n'est pas un choix qu'on fait, bon Dieu, bon Dieu, bon, pour me casser vous bien, je choisis sainteté. Bye bye pour ça. La sanctification n'est pas un choix, mais son obligation. Ou après, bon Dieu dit dans la parole, vous serez saint car je suis saint. Soyez saint dans toute votre conduite. C'est sa Bible dit. Pas bon monde là tout, attendez, oui. Qui fait une fois manger hier, et puis même chose, elle fait une fois manger hier. Puisque c'est dur, il te fait hier, la fait dur aujourd'hui. Et puis, bon, dit bon, puisque c'est même manger à ma fête, je n'ai pas besoin de faire le travail. Ah, c'est même du rien. Ok, je vais quitter le consac. Celle m'a vidé de l'eau, m'a vidé de l'huile pour mettre du rien, pour du rien, pour passer même bailler. Pas de pièce monde qui là qui ca fou bailler comme ça. Ou est-ce que nous intelligents? Nous prenons qui est, nous gratter, je veux dire. Et qu'il y a des grattes qui, quand on dit pour le sortir, ou forcer. Ou plutôt gratter, je veux dire, avec rail pour le sortir. Parce qu'on dit son l'autre monde, je vais pas le faire, en bien forme nettoyer. C'est même gens tout le temps, ça me dit. Gon dimension, mon Dieu, pour le passer avec vous, l'exige la sanctification, ça veut dire la passer d'un côté à l'autre côté. Est-ce que l'église a là? Le bon Dieu exige la sanctification, bon Dieu veut dire la sortie avec vous au niveau, la traverse avec vous yon, l'autre niveau. Comment vous dites à mourir, mais bon Dieu, passer avec vous dans l'autre niveau à soi? Donc, le bon Dieu exige la sanctification, c'est parce que les gens bagaille. Que le pral fait de grandiose. Donc, bon, l'autre dimension que le monde pral prend, automatiquement, bon Dieu m'a dit la sainteté. Mais bien aimé, à travers la Bible, nous avons plusieurs exemples que des mondes qui choisissent approcher bon Dieu et ils ont choisi mener une vie qu'il a dans la sainteté. Nous prenons quelques exemples avec vous rapidement. Premièrement, si on a pris Jacob. Jacob, dans Genèse, chapitre 35, on va regarder depuis le verset 1er. L'Éternel dit Jacob, montez à Bethel. Pour qui ça, bon Dieu, dit Jacob ça? Il dit Jacob, moi, songez, les Esaou t'a couru derrière. L'autre est dans Maou. L'autre est fait voler bénédiction Esaou. Esaou t'a couru derrière. Et on t'a couru pour lui, parce qu'on ne voulait pas le tuer. Et dans la nuit, quand Jacob t'a couru pour Esaou, il t'a pas fait un songe. Jacob voit une échelle, attendez bien, oui, qui sortit depuis à terre, arrivé en l'air. Maintenant, Jacob voit bon Dieu en l'air, tête l'échelle là. Et puis il gardait des anges qui ont monté descendre dans l'échelle là. Maintenant, automatiquement, Jacob réveillé, Jacob dit assurément, la porte des cieux est là. Et puis Jacob dressait un monument, il vidait l'huile là-dedans, et puis il dressait le pour mon Dieu, pour mon Dieu qui t'a sauvé lorsque tu as couru pour Esaou, grand frère. Maintenant, après Jacob, sorti Bethel,
li aller la caille Laban et vous songez bien Jacob te fait plus de 14 ans la caille Laban li travaille 7 ans pour Rachel nan jour mariage là au lieu bal Rachel qui est Jovali et Wali là donc ou pas besoin ou bien que tout pour là ou mettez mesdames gros monde qui peut mettre dame bazo ou mettez mesdames gros monde qui peut mettre dame ouais mesdames ou c'est en dehors de mesdames qui des monde c'est dans l'école mesdames là les mêmes les diplômés, les fait université là-dedans, les fait maîtrise là-dedans, les fait doctorat. Donc Jacob pensait c'est celle qui t'a trompé monde. Et pourtant on Laban qui dépassait Jacob dans brin. Lui dit Jacob dans pays ici pipiti pas gain droit marier avant plus grand. Et puis qui s'est passé Jacob fait 7 ans encore pour joindre Rachel. Maintenant, prêtez-moi attention. Ou après, lorsque Jacob a sorti la caille Laban, ou après, bon Dieu va le croiser avec lui, il va le batailler à Jacob, il va le casser ce petit Jacob, et il va le changer ton Jacob en qui ça? En Israël. Israël qui voulait dire lutter avec Dieu ou bien vainqueur. Donc, Jacob t'a lutté avec bon Dieu dit Jacob ou son vainqueur. Mais bien aimé, il y a des gens pour bon Dieu jouer dans la totalité, il faut bon Dieu casser ce Dieu. Il y a pour le rivet, pour le rivet dans une dimension extraordinaire. Faut bon Dieu casser ceinture. Maintenant, l'homme dit casser ceinture, c'est pas ceinture physique là. Mais c'est ceinture, c'est symbole d'équilibre. C'est lui qui doit force sous marcher. C'est lui qui doit camper de jambes. Maintenant, Jacob, bon Dieu parle dit Jacob, l'homme fait une gourmet avec Jacob. Les Jacob a réconcilié avec Esaou. Il dit Jacob, montez à Bethel. Et si vous gardez le texte avec vous, je vais vous dire avec vous, Genèse 35, le bon Dieu dit Jacob, montez à Bethel, Jacob rassemblait, attendez bien oui, Jacob rassemblait toute famille. Jacob dit, moi pral monter à Bethel. Bethel qui signifie la maison de qui est? La maison de Dieu. Maintenant, Jacob dit, puisque moi pral est dans la maison de Dieu, la présence de Dieu est là à Bethel, il dit que mon yon nous pas qu'à aller jamais nous là. Avec vieux rap que nous gagnons. Avec des dieux étrangers que famille te gagne. Jacob dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et changez de vêtements. Genèse 35, verset 2. Jacob dit, mon yon, pour yon capable de retirer les dieux étrangers. Ou quand on nous bagay, Jacob servit tes bons yeux. Madame Li Rachel, bon terrafim, en tant qu'alal, pas qu'on est. Jacob a évoqué nos bon Dieu, dans Kaili, Madame Li Rachel, bon terrafim. Terrafim, non, son Dieu étranger, ou après terrafim, non, qui s'allie, son déesse. Il dit déesse, ça, c'est lui-même qui c'est déesse de la fécondité. Parce que pour qui ça, Rachel te prend terrafim, non, lui met dans tête, lui, c'est Dieu ça. Qui t'a pral bas, li petit. Et Rachel blie yon bagay. Petit, c'est le bon Dieu qui kabay petit. Amen. C'est le bon Dieu qui kabay petit. Donc Rachel kembe terafim nan. Et là, Laban t'a fouillé. Il dit Jacob, moi perdi yon bagay. Jacob dit, moun ki vole la, quel péri. Jacob pas connu si c'est madame ni Rachel qui te vole. Qui je rachète de voler, les filles voler, les mettent dans le boss et dans le boss et chamois, parce que son chamois était monté, ou qu'on est chamois, les gens dolent en S, et puis ils fouillent tes rafines dans le mi-temps S là, dans le mi-temps boss là. Jacob, regardez, Jacob font serment, Jacob dit c'est pour les gens qui volent, Dieu étranger, c'est pour le péril. Là-bas, fouillent, ils ne parviennent rien. Les fouillés Kaïbila, les fouillés Kaïzilpa, les fouillés Kaïléa. Quand le rivé sous Rachel, Rachel campait en les chamois, j'étais en les chamois, et puis il dit Jacob, dis là bon pour moi que moi j'ai croissance, moi, je ne peux pas descendre. Et là bon pour diable, il est depuis qu'il a croissance, bon, il va ramener des malheurs pour diable, il quitte malheureux là, sous chamois, pourtant son mesdames qui a tracé son vieux bagaille. Et je parle plus devant, dernièrement, je t'appelle méditer sur Genèse. Je parle plus devant, Rachel, pas de doit pas mourir. Ou après, Léa fait environ 6 petites.
Léa pour contre lui fait environ 6 petites. Rachel, cependant, qui c'est la femme aimée de Jacob, combien petites lui fait? 2 seulement. 2 seulement. Et regardez bien, l'elfine fait première petite qui c'est Joseph. Ou après, automatiquement, lui fait Benjamin. Automatiquement, Benjamin sorti. Et puis, Rachel garde petit là, et puis il mourit. Gombagay, on s'habite de Dieu déclaré, la privé quand même. Jacob te getan maudit mon nom. Donc malédiction tombe sur Rachel. Et Rachel te doit mourir. Parce que malédiction te getan prononcé déjà. Mais bien aimé, Dieu dit Jacob, monte à Bethel. Et Jacob rassemble sa famille. Il dit comme ça, retire tout Dieu étranger qui nous met en nous. Et tout bon, tout vie radant nous gagne la carte nous. Et Jacob texte a dit, Jacob prend tout ça, il fouille yon tout et puis il enterre ça. Et à soya pour me contextualiser message là. Maman de combien Jacob qui l'a à soya, qui t'a de faire un travail d'inspection la caillou. Je parle avec père de famille. Gede rad ou petite fille habillé devant. Qui compte le praler? Le praler à Bethel dans la maison de Dieu, l'église de Dieu. C'est devant lui habillé. Devant lui mettre jupe là. Devant lui mettre comme ça là. Ou quitte l'année quand même. Donc Jacob lui fait moun yo retirer tout bagay qui pas bon et puis l'enterre ça. Et puis texte ça dit moun yo retire en mot, yo retire ceci, yo retire cela et puis on ba Jacob lui pour yo monter à Bethel. Chers amis, Dieu mandé une préparation lorsque nous pourrons aller dans la présence de Dieu. La préparation est très importante lorsque nous pourrons entrer dans la présence de Dieu. Si nous avons un deuxième exemple avec vous, nous prenons exemple Joseph. Joseph est en prison. Vous après le texte a dit, automatiquement, ou a fait un songe, il n'y a pas expliquer son songe. Et puis, il y a un monde qui dit, il y a un monde qui est en prison, qui a interprété son songe pour vous. Et puis, qui ça a fait? Ou a fait le Joseph pour lui. Alors, regardez la Bible bien. Ou après, lorsque Joseph a quitté la prison, il y a deux bagages qui sont soulignés. La Bible a dit, Joseph retire la prisonnière en vous. Deuxièmement, la Bible a dit, Joseph, vous connaissez les cheveux qui sont poussés, les cheveux en l'air. Joseph rase la Bible, rase les cheveux. Parce qu'elle parle devant qui est le roi? Qui est le roi? Pharaon. Et nous-mêmes, l'église, nous avons un roi. Il n'est pas seulement un roi, mais il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Acclamez le roi des rois, assoyez. Donc l'église, l'important pour nous sanctifier. Ou dans le psaume 24, il dit qui pourra monter, qui va à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, c'est celui qui allait. Mais innocent est le. Pas de mentir dans le. Donc la présence de Dieu est tellement sainte. La sainteté de Dieu en action. Maintenant, tout le monde qui va approcher de Dieu, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui est-ce qui arrive, qui compte dans le lieu saint. Et puis il dit, c'est celui qui a les mains innocentes. Et puis dans Timothée, Paul Bral dit, je veux que les hommes, laisse que les hommes à prier, c'est pour lever des mains qui propres. Ancien Testament dit les mains pures. Nouveau Testament, Paul dit les garçons ont prié, l'église a prié, les femmes ont prié. C'est pour lever les mains avec un main qui sanctifie. Après, il faut lever mon papa, bon Dieu, pas les mains. Bon Dieu, c'est Baba qui a fait. Il n'y a pas les mains parce que les mains sont sales. Gen bagay ou manyen, gen bagay. Parce que la main, c'est symbole d'activité. La main, c'est symbole qui ça me dit? Activité. Ça veut dire, l'elle dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est celui qui a les mains innocentes. L'ivre dit, tout savoir-faire, toute activité, il doit être propre. Est-ce que l'église a là? Donc, bon Dieu exigeait la préparation
la sanctification avant même qu'on rencontre bon Dieu. C'est ça que fait dans Amos chapitre 4 verset 12. La Bible dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Est-ce qu'on a dit avec mon qui va contre la dit ça pour moi dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dis mon qui va contre la ça pour moi dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dis l'autre pour moi préparer pour Jésus. Prépare-toi pour l'enlèvement. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Amos 4, verset 12. Il dit préparez-vous pour aller rencontrer bon Dieu. Et regardez dans Matthieu 25 qui s'arrivait. Ou après, il y a 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Ou après, t'en es bien, oui. Ou après, il y a tous les 10, il y a l'huile dans la bio. Tous les 10. Maintenant, tous les 10 là, combien qui étaient prêts? C'est 5 seulement. 5 seulement. 5 seulement qui te gagne l'huile dans le plan. Maintenant, le plan est très significatif parce que le plan lui représente la vie chrétienne. Ou après, si je prends l'an créole haïtien, ou après, il y a plusieurs parties. Il y a une base, côté où on met des gaz là, il va vrai. Il y a une bobèche, côté où on met des mèches là. Et puis, il y a un verre qui couvre du feu. C'est même gentil, la vie chrétienne, c'est une lampe qui a plumé. Qui ça me dit l'église? La vie chrétienne, c'est une lampe qui a plumé. Il y a trois parties ça on en vit nous. Premièrement, réservoir, récipient qui met gaz là, c'est quoi nous? C'est quoi nous? Ou appelle l'huile dans le réservoir, c'est même gentil. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc l'huile là, lui représente le Saint-Esprit. Maintenant, mèche là qui relie l'huile là avec bois mèche là. Maintenant, mèche là, c'est la prière. La prière, c'est lui-même. Tenez bien, oui. C'est lui-même qui râle en choqué en dedans pour mettre le dehors. Maintenant, mes bien-aimés, bois mèche là, c'est la consécration. Ou après, bon, mais chale, qui est là, non, le plan, il va jamais sortir. La consécration, c'est pas un jour, deux jours, mais toute la vie, me consacrer à Dieu. Maintenant, prêtez-moi attention. Ou après, vers là qui kembe, attendez, oui, vers là qui kembe, hein, qui entre dans bon, mais là, maintenant, il représente l'esprit. Pour qui ça le représente l'esprit? Parce que de temps en temps, les gonfles, la fumée qui paraît là-dedans, il faut nettoyer. Ça, c'est la sanctification. Est-ce que nous comprenons? Nous comprenons? Donc, la sanctification, c'est très important. Ou après que Folio avec Sagio, il y a tous les deux, tu as une lampe, il y a tous les dix, tu as gagné l'huile dans la bio. Et puis, qui s'est passé? Pendant que l'époux a privé, et puis qu'il y a des sentinelles qui font déclaration, qui disent voici l'époux, allez à sa rencontre. Mais bien aimé, avant Jésus retourner, il y a un groupe de sentinelles, la mettent dans chaque église, pour dire chaque église, alléluia, prépare-toi à la rencontre de l'époux. L'époux, il va arriver dans les airs, et me déclarer sous l'église, que bon Dieu choisit des sentinelles dans l'église. Les gens qui ont dormi dans l'assemblée, c'est pour qu'il y ait des prophétesses qui ont levé en paix. Pour dire l'église, prépare-toi. Alléluia. Il faut qu'il y ait sentinelle qui levé en paix. Parce qu'avant et pour arriver, il faut qu'il y ait sentinelle qui fait route la roue. Est-ce qu'on a levé mon lait? Que bon Dieu fait grâce. Déclarer qu'on t'offre, madame, c'est pour une sentinelle. C'est pour l'huile là qui est en dedans, là, les pages suspendent, fini. C'est pour chaque amen, c'est pour chaque jour la mule, si vous voulez. C'est pour couper la déborder, c'est pour recevoir, alléluia. Il y a toujours l'huile là-dedans, même si on a dormi l'huile là-là, même si on a levé l'huile là-là, même si on a marché l'huile là-là, même si on a marché dans l'huile là-là. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Et puis, texte a dit, faut lui réveiller. Sage réveillé. Prêtez-moi attention. Ou après, ni folio réveillé, ni sage réveillé. Maintenant, ce n'est pas réveil qui est important, mais c'est ça qu'en dedans, réveil qui est important. Ce n'est pas réveillé qui est important, mais c'est qui ça qu'en dedans, l'emploi qui est important.
C'est pas le fait là qui est important, mais c'est lui là qui est important. Et j'ai le courage pour me dire ça. En vérité, pas de réveil sans le Saint-Esprit. Pas de réveil sans l'onction du Saint-Esprit. Si au monde veut prêcher le réveil, faut prêcher la puissance de l'onction. Faut prêcher qui sa onction qu'a fait. En vérité, je ne parle pas de réveil, mais je parle de la puissance du Saint-Esprit. Parce que depuis l'huile là, a de réveil. Depuis l'huile là, depuis l'onction là, on ne pas tirer le réveil. Et tout réveil qui fait sans Saint-Esprit, il n'est pas réveil. Mes frères et sœurs, nous allons regarder un texte avec moi dans Exode chapitre 19, texte sur le ou après que Moïse, prêtez attention, oui, qui met le texte en sous yeux pour demain parler. Ou après Moïse, bon Dieu dit Moïse, dit peuple là pour moi, pour le sanctifier. Yo. Jodi avec demain, parce que dans trois jours, je vais le rencontrer avec le peuple là sur le mont Sinaï. Et puis, qui ça peuple a fait? Le peuple là, il rassemble tout ça, et puis il commence à sanctifier. Si vous continuez, vous après que vous dites, même garçon, pas toucher pièce femme, parce que vous dites, vous allez rencontrer mon Dieu, vous pas capable d'aller dans la sexualité, parce que vous allez rencontrer un bon Dieu qui saint. Et puis, texte a dit, peuple a sanctifié. Prêtez attention. Ou après, malgré peuple a fait effort pour sanctifier, bon Dieu dit Moïse, même si vous sanctifiez, vous n'avez pas le droit de toucher un pied mon nom. Vous n'avez pas le droit de toucher point mon nom, malgré vous sanctifiez. Parce que si vous touchez mon nom, la mourir. Et mon Dieu va continuer toujours. Il va dire mon cabrit, mais mon cabrit depuis toucher mon nom, c'est pour lapider. La présence de Dieu va y jouer. Mais l'église, vous avez comme temps, monsieur. Ça, l'église a bénéficié. Israël n'a pas bénéficié. Bon, m'expliquez ça, me dit. Israël, malgré qu'il était sanctifié, il va pas toucher la montagne de Dieu. Prêtez attention. Ce n'est pas mon Sinaï qui était saint. C'est la présence de Dieu qui fait mon nom saint. Répétez phrase, on me dit. Je dis, ce n'est pas mon nom qui était saint, mais c'est présent, mon Dieu, qui fait mon nom. Par exemple, dans Exode 3, bon Dieu, le Moïse. Dieu dit, Moïse, regardez, approche-toi d'ici. Et puis, quand Moïse approchait, maintenant, il dit, Moïse, retirez sandales qui n'ont pas là, parce que terre ça au campé là-dedans, non, c'est un lieu qui saint. Maintenant, ce n'est pas mon nom, Moïse, là-dedans, non, qui saint. Mais c'est présent le bon Dieu qui sanctifie mon nom. Amen. Donc, vous imaginez, depuis que mon Dieu descend sur le monde, mon nom tout sanctifié. Et la vie plus que le monde. La vie plus que le monde. Les bon Dieu descend sur la vie, les exige la sainteté. Maintenant, Dieu dit Moïse, pas quitter le peuple à toucher mon nom. Mais nous-mêmes, l'église, nous gagnons un intercesseur par excellence. Nous gagnons un intermédiaire. Le peuple d'Israël, c'est Moïse comme intermédiaire entre Dieu et eux-mêmes. Mais nous-mêmes, l'église, nous sommes différents. Parce que médiateur, nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclamez médiateur sans soeur. C'est lui qui fait pont entre moi et ciel. Maintenant, Jésus dépasse Moïse. Parce que Moïse, lui, fait son tête monde. Mais Jésus-Christ, lui, traverse le tabernacle le plus parfait. Lui, traverse le saint. Lui, traverse le très saint. En vérité, Jésus-Christ est le meilleur souverain sacrificateur. Lui, dépasse Moïse. En vérité, depuis que mon cap service, c'est Moïse. En vérité, moi-même, c'est Saint-Esprit m'a servi. Lui, dépasse tout ce qui est sous la terre. Acclamez Jésus-Christ qui met ton chien. Dans l'église, c'est lui fort. Chita là. Moïse arrive sous le monde. Jésus-Christ traverse le tabernacle. Acclamez le bon nom. Et vous pouvez ça dire encore. Bon, mais qui ça fait moi, mais Jésus net. Jésus pas un monde qui est égoïste. Ou est-ce qu'il est président? L'elle a fait campagne ou elle. Mon président a subi ta fait campagne, même dans bol à l'équin, il chita sous bon marché pour le craser à l'équin. Pour le bouet chaka. Et puis quand il arrive dans le palais, il oublie ses marchands qui te parle, il bol à l'équin ça, il oublie l'elle ta fait.
l'elle t'a fait tout ça qu'on est pour l'élection, mais t'as oublié ça. L'elle arrive sous trône, oublié ça. Mais Jésus-Christ, il n'est pas le président, il n'est pas le premier ministre, il c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et regardez qui ça dit l'église. Il dit, regardez que voit que cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et puis il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de qui est-ce? De mon père. Il dit, l'aime fin préparer place là pour vous. Ma poune est venue chercher. Quand t'aimes chita sous toi, non. C'est là où à pied. Acclamez bon Dieu pour ça l'église. Je dis que espérance ça. Quand t'es Jésus, c'est là ma pied. Quand t'es lié, quand t'es chita. Quand on dit qu'il y a place à préparer pour lui à soi. Il dit quand t'es chita. Et quand je parle là, Jésus pas sous trône lui. Il sous trône papa. Pour Jésus, si tu sous trône lui, c'est moi-même avec vous qui peux monter dans le ciel. Et puis qui peut faire ça, l'étronisation. Quand je parle là, Jésus pas sous trône personnel lui. C'est sous trône papa lié. Il regarde l'Apocalypse. Il dit, moun qui gourmet jusqu'à ce qu'il réussit, m'a fait aussi ta sous-trône moyen. Même moi-même, m'te mouri à Golgotha, me ressuscité, papa m'mette m'chita sous-trône par là. Mais bien aimé, Jésus-Christ dépassait Moïse. Et nous-mêmes, l'église, nous dépassait Israël. Israël, pas de droit, toucher yon pied mort. Mais l'église, c'est pas un monde l'a touché seulement, l'a traversé le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. L'église a clamé bon Dieu pour ça, ou que pour traverser le ciel, moi dépassé Israël, Israël moi dépassé dans le nom de Jésus-Christ, moi que pour m'aller dans le ciel. Mes amis, quand on m'a parlé de ça, nous avons une jouette. Ils ont découvert la galaxie, la voie lactée. Les univers dans son ensemble. Pour le monde découvrir tout l'univers que Dieu créé, il a pris plus de 1 million d'années. S'il n'a pas vivre, parce que jour l'homme comptait. N'entendons-nous là, c'est 60 ans, 70 ans. Et bien, il a tellement dégénéré qu'on a monde qui a 40 ans, il a mouru. Monde qui a 30 ans, il a mouru. Monde qui a 20 ans, il a mouru. Ça veut dire pour parcourir la foi lactée. Ou à pas plus de 1 million d'années pour qu'on tout élément, tout planète, tout système pareil ça yo, pour qu'on tout net, ou à pas plus de 1 million d'années. Mais quoi t'aimes camper là à la trompette de Dieu, dans yon badge, oui, et puis m'a transformé pour m'entrer dans la gloire. Que le monde qui comprend l'évangile ça soya, quand on chita là, ou pas prend 1 an, pas prend 2 ans, yon seconde, ou à quitter la terre pour entrer dans le tracé. C'est différent ça qui gagne entre moi-même avec Israël. Mes frères et sœurs, nous avons plusieurs exemples avec vous. Dieu t'a demandé Jacob pour te sanctifier avant de monter Bethel. Dieu m'a demandé, Joseph. Joseph, après Joseph, avant de quitter la prison, il changeait la prison. Et puis, il mettait, il fait cheveux, il fait babli pour aller présenter devant le roi Pharaon. Maintenant, après le peuple d'Israël, pour le jouer bon Dieu t'a demandé pour préparer, pour rencontrer bon Dieu. Nous-mêmes, pour l'église, bon Dieu m'a demandé nous une préparation. Bon Dieu m'a demandé chaque monde qui l'a, qui a dit, une préparation. Éphésiens 5. Verset 25 à 27 pour nous capables de terminer. Éphésiens, tout le monde a pris le texte avec moi. Éphésiens chapitre 5, un bel verset. Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27. Nous parlons ensemble. Éphésiens, après le livre. Après Galates, il y a un monde qui fait là, oui. Éphésiens chapitre 5, verset qui s'en dit. Verset 25 à 27. N'a pris ensemble. 3, 4. Marie, que chacun aime sa femme. Comme Christ a dit ça, a aimé l'église et s'est livré pour lui-même, pour elle. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par qui ça? Par l'eau de la parole. Verset 27. Pour faire paraître devant lui
cette église, premièrement, qui ça dit, glorieuse, deuxièmement, qui ça dit, sans tâche, troisièmement, ni ride, quatrièmement, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Prêtez attention, je vais faire ce travail dans le texte avec vous. Les maps m'hésitent sur le texte, je divise le texte en trois parties. Premièrement, je divise le premièrement par la rédemption, deuxièmement par la préparation, troisièmement par la glorification. Donc, moi, je suis l'église à la. Verset 25, qui vient dans verset 27, je divise en trois parties. Premièrement, c'est la rédemption, deuxièmement, c'est la préparation. Troisièmement, c'est la glorification. Vous regardez si l'église à la premièrement, c'est de rédemption. Répétez rédemption. Deuxièmement, préparation. Troisièmement, glorification. En nous retournant encore, premièrement, c'est rédemption. Deuxièmement, c'est préparation. Troisièmement, c'est. Il dit Marie, remet ma tambour. Même Jean Jésus, t'es remet qui est. L'église, elle tellement aimait l'église, lui allait à Golgotha, lui offrit colis à Golgotha. Ça, c'est la première phase là, c'est la rédemption. C'est la sanctification positionnelle. À la croix, Jésus-Christ sanctifie l'église là, à travers, tendez bien, oui, chaque monde qui est là, qui recevra Jésus dans la vie, il est sanctifié en Jésus-Christ. Texte dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui ça. Qui sont en Jésus-Christ, c'est la position. Donc à travers le sacrifice de la croix, quand tu me campes là, grâce à Dieu, je suis sanctifié. C'est la sanctification positionnelle, c'est la rédemption. Après le fin dit, Jésus mourit pour l'église là. Après dit en la sanctifiant par l'eau de la parole. Donc moi m'a parlé là Jésus dans la deuxième phase là. Côté la sanctifier l'église avec la parole. Dans Jean 17, verset 17, nous devons ça déjà dans ce moment. Jésus-Christ dit sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc la parole de Dieu, c'est lui qui a capacité pour transformer l'église là, pour changer l'église là, pour faire l'église là, arriver dans notre dimension, côté lui-même après tant l'église là. Donc, premièrement, l'église, pas oublier, c'est la rédemption. Deuxièmement, c'est la préparation. Donc, quand tu m'as parlé là, Jésus toujours dans la préparation. Pas inquiète, chaque monde qui est là, ou son machine qui est dans le garage. Et chaque jour, mon Dieu, il y a un marteau là-bas. Il y a des formations, l'achète, tu es dans la vie, ou dans tes faits, dans la vie. Maintenant, pour Jésus, accepte-le dans le ciel là, et pas consoler à la prendre. Il faut le beaucoup de matos, il faut le ranger, tout ça qui crochit, il faut le ranger, c'est la préparation. Maintenant, après la préparation, c'est la glorification. Est-ce que l'église a un? Premièrement, c'est la rédemption. Après la rédemption, c'est la préparation. Après la préparation, c'est la glorification. Maintenant, qui est la glorification à priver? C'est avant Jésus-Christ retourné. Maintenant, automatiquement, trompette la prale sonner. Maintenant, on a quitté la phase préparation. On a privé la phase glorification. Et ça fait texte là, dit nos gens. Les regardez, mes petits enfants, moi, écris nous ça. Parce que les gens, les Jésus-Christ va retourner, nous va même gens avec. Combien qui t'a remis même gens avec Jésus là? Donc, c'est la glorification. Mais bien, même on songe à travers la Bible, il y a deux jeunes filles qui attirent l'attention. Premièrement, c'est Esther. Deuxièmement, c'est Ruth. Et deux mesdames, ça a tellement attiré l'attention. Parce que pour qui ça me prend deux images, ça y est, parce que tous les deux, c'est symbole de l'église. Tous les deux, c'est symbole de l'église. Maintenant, qui ça me dit, voilà, si je prends Esther, ou après Esther. Esther, yo te prend une liste jeune fille qui t'a pas passé devant le roi Assyrus. Pendant yo préparé jeune fille,
Et puis il y a des gens qui ont préparé les jeunes filles. Ils ont le savon, ils ont le parfum, ils ont l'huile, ils ont tout le bagage que les jeunes filles ont besoin pour passer sur eux. Et puis Esther l'a préparé, l'a mis le parfum sous lui, l'a passé l'huile sous lui. Mais Esther, qu'on a bagaille, il y a des bagailles pas manicure qu'on a mis au dehors, c'est pas perdu qu'on a mis au dehors, c'est anxieux qu'on a mis au dehors. Je jeune fille m'a parlé avec vous. Vous l'arrivez, vous avez fait manicure, pas un problème. Vous l'arrivez, vous avez fait pédicure, pas un problème. Mais vous l'arrivez, c'est vous dire chez soi, de ta présence. Si fais chef de ma force, de ma faiblesse, que ferai-je sans toi? Nous vivons dans une société chargée de son lol, qui a fait vieille prière pour jeune fille tomber dans la sexualité ensemble avec vous. Et jeune fille l'église, les arrivés pour sanctifier, les arrivés pour croire ça que jeune fille. Et me déparer sur chaque jeune fille qui l'a. C'est pour vivre même genre Esther. C'est pour embellir quoi même genre Esther. C'est pour chercher anxiété surtout. Même genre Esther. Vous comprenez ça? Toute jeune fille est habillée bien. Mais par contre, jeune fille qui t'a gagné onction par Esther. C'est différent, ça gagne entre Esther avec jeune fille. Donc, jeune fille, lui, volé. Gagne laissez pas sous ta coiffeuse ou bouillée pour changer couleur. Cheveux rouges, cheveux noirs, cheveux rouges, cheveux bleus, cheveux verts. Chaque gars doit mettre une couleur, cheveux calamètre. Je n'ai pas de problème à ça. Mais en vérité, go les Satan à croiser avec vous. Ou mettez que cheveux 50 couleurs, la manger. Mais vous que Jésus dans la vie, vous ne pouvez pas faire rien. Alléluia. Parce que ça, lui répond sous la vie. Écoutez-moi, comme là. Déclarez dans le nom de Jésus que le sang de Jésus, qu'elle tombe sous la vie des jeunes filles. Que mon Dieu prépare une génération d'Esther. Qu'a levé, qu'a préparé, qu'a pète soutien, qu'a regardé dans toute dimension. Que grâce à tomber sous la vie. Donc, bon, là, c'est pas ni faire belle. Et pas ni mes talons qui te font des gens intéressantes. Et bien, lui, comme méthode. Et ça fait en vérité, Satan n'a pas payé une jeune fille qui a fait tout ce qu'on est. Mais il paye une jeune fille qui sanctifie. Il paye une jeune fille qui consacre. Et en vérité, il y a des gars avec des hommes mystiques pour croire à son jeune fille qui est dans Jésus pour changer leur vie. C'est impossible. C'est impossible. Deuxième jeune fille qui est intéressée, c'est Ruth. Ou après texte ça dit, lorsque Ruth va le rencontrer avec Boaz, Naomi dit Ruth deux bagailles. Il dit Ruth, lave-toi et roue-toi. Qui ça Naomi dit Ruth? Lave-toi et roue-toi. Lave-toi, c'est la sanctification. C'est la pureté. Roue-toi, c'est l'onction. Donc, tenez bien, Boaz, c'est un type de Jésus-Christ. Ruth, c'est un symbole de l'église. Naomi, c'est symbole de cet esprit. Cet esprit dit l'église à soi. Lave-toi et roue-toi. Répétez comme ça pour nous terminer. Lave-toi et roue-toi. Répétez encore. Lave-toi. Levez-moi en l'air. Et demandez mon Dieu laver l'église là. Vous mettez levez-moi en l'air. Et demandez mon Dieu que mon Dieu lave l'église là. Et que mon Dieu vide onction sous la vie. Levez-moi en l'air. Alléluia. Et me déclarer amen. C'est pour chaque sentinelle qui l'exerce. Vous mettez comment c'est ranger corps. Parce que si elle a une onction, elle veut larguer sous vie ou petite. Regardez. C'est une génération, mon Dieu, à chercher. C'est une génération, jeune fille, jeune garçon, qui a fait l'évangile avec rage. C'est une génération, madame mariée. C'est une génération des vieillards. Que mon Dieu a cherché. Nous faisons ça pour laver, pour mettre onction sur eux. En vérité, jeune fille, les arrivés pour l'église, qui sont à faire. Vous ne pouvez pas arrêter seulement. Chaque dimanche, vous venez. Ça va suffire. Faut regarder. Est-ce que, alléluia. Est-ce qu'on s'y arrive sur vous? Est-ce qu'on va prophétiser? Est-ce qu'on va un message? Et en vérité, et me déclarer, c'est pour chaque monde qui est en bas terre, c'est pour ciel la retirer en bas terre. Vous mettez levé mon là. Ouf, my God. Déclarer quel que soit l'or qui est en bas terre, c'est pour vous mettre à soi, qui prend contrôle,
qui pour retirer en bas terre, qui pour faire paraître à la surface. Ma parole avec le monde qui est là. Les arrivés pour mon Dieu maintenant, pour le faire intéressant avec vous. Et pas en bas terre pour être seulement. Les arrivés. Et me sentir qu'on tracteur comme dedans, qu'à enterrer, qu'à retirer. Toute jeune fille, tout jeune garçon, dessiné, entre en bas terre. Ma parole avec un Joseph là. Si elle a vous présenté, devant les grands. Alléluia. Ma parole avec mon Esther. Le souhait l'argent monté par le mon grâce. Mon dernier grâce. Mon dernier grâce. L'église soit ivre. Mettre les vêtements par la foi. Dans le nom de Jésus-Christ dans Nazareth. Que si elle a lavé l'église là. La sanctification. Lavé par le sang de l'agneau. Pour monde qui besoin ça. Et est-ce que l'église a déclaré le sang de Jésus? Elle saura déclarer ça plus fort toujours le sang de Jésus. Répétez le sang de Jésus lavé. Le sang de Jésus lavé. Le sang de Jésus purifié. Et je mets en l'air. Et me déclare que l'onction du Saint-Esprit. Jésus, qu'elle arrive sous. Qu'elle au devant, qu'elle au derrière. Qu'elle à gauche, qu'elle à droite. Mais que l'esprit des quatre vents qu'elle saisit assemble ça. Alléluia. Mais que Colombe commence à battre Zélie en dedans. Quelle rivière couble au côté. Quelle localisée au côté. Jeune fille, alléluia. C'est pour enseignement, ça y est. L'œil arrivé. Prépare-toi à la mort de ton Dieu. Jeune fille, l'œil arrivé. Si ce n'est pas rien, si ce n'est pas WhatsApp, Facebook, pas WhatsApp, les poulies. Pas Jésus, les poulies. La consécration. La consécration pour rencontrer. Lève-moi. Alléluia. Bienvenue, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bienvenue, Esprit de Dieu. Bienvenue, Esprit de gloire. Bienvenue, Esprit de sainteté. Que l'Esprit de sainteté, qu'elle prend quatre coins et l'église là pour lui. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu, qu'elle mouve dans l'église là. Qu'elle secoue ou oblige dans l'église là. En vérité, ma blague avec sanctification. Ma blague avec onction. Que onction marche avec vous. Que onction dorme avec vous. C'est pour l'enlever. C'est pour sentir onction. Alléluia. Déclare que l'huile a tombé sous la vie. Que toutes mes levées devant mon Dieu. Que toutes mes levées devant mon Dieu. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tu es bon jeune fille à chercher. Bon jeune garçon à chercher. Pour le vie de gloire. Pour le vie de gloire. On avait côtoyé. Alléluia. Quelle onction qui sous la vie, non. Quelle rivière à mettre. Quelle rivière traverser. Contrôler là. Liberté pour moi qui besoin de liberté. L'onction de guérison. Pour moi qui besoin l'onction de guérison. Les arrivés pour imposer la main aux malades. Pour les malades guéris. De toi, l'argent qui dépense. Aïe, aïe, aïe. Comme un chat à moi. Oh my God. Que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de quatre vents, cherche. Alléluia. Sentir guéillon, mais qu'a touché la vie. Hey. Moi, sentir non, mais ça, que la vie la donne. Mais ça, que c'est donc. Alléluia. Juste mon Dieu. L'église ne sont pas campées. Oui, c'est pour la vie. Alléluia. Oui, senti que yon, mais aïe aïe aïe. Quand tu fais, Konya. Senti non, mais ça. Que on s'y en a donc. Que on s'y en a donc. Aïe aïe aïe. Mais ça, que c'est bon. C'est pour la vie. C'est pour la vie.
Moi du gain onction. Aïe aïe aïe. Moi tout mes ça qui c'est don. Ministre entier. Sortir au mieux qui descend là. Recevoir. Recevoir, jeune garçon. Recevoir, madame mariée. Les arrivées pour femmes sont dehors. Les arrivées pour Satan respecter les familles. Aïe, aïe, aïe. C'est pour vivre là, oui. C'est pour vivre là, oui. C'est pour vivre là, jeune fille. C'est pour famille. Ouais, qui est souhaité. C'est pour grâce de ton nom. Qu'elle sortit dehors. Qu'elle sortit dehors. Qu'elle sortit dehors. Qu'elle sortit dehors. Levez. Que la pluie de Dieu, qu'elle tombe dans mon sang, qu'elle tombe dans mon sang, qu'elle tombe dans mon sang. Derrière un coup de vent, à gauche ou à droite. Derrière un coup de vent, à gauche ou à droite. Ah, la foi est en toi, la foi est en toi. C'est pour la vie. Amen. Gardez-moi qui a touché, gardez-moi qui a guéri, gardez-moi qui a transformé, gardez-moi qui a transformé, gardez-moi qui a rempli, gardez-moi qui a débordé, gardez-moi qui a débordé, gardez-moi qui a débordé, par la foi, par l'esprit. Esther est arrivée pour sanctifier. Oh my God, vous pouvez le présenter. Jeune fille est arrivée pour sanctifier. Bon, mon silence le même. Toute l'église le même. Whatever contrôle le même. C'est pas moi qui a touché vous. C'est l'ancien de Dieu qui a touché vous. C'est pas moi qui a touché vous, madame. Jeune fille, vous n'avez pas perdu la bataille et l'abdominant. Si elle a tout à soi, ça finit. Hey, si elle a tout à soi, ça finit. Aïe aïe aïe, c'est la droite soya. Ça finit. Moun qui dépêche du grâce. Début 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 2 mois, 3 mois. Qu'est-ce qu'elle a retourné par où encore? Que le veut mieux encore. Que le veut mieux encore. Que ce soit dans bon hier. Que ce soit dans bon hier. Que ce soit dans bon hier. Que l'esprit de Dieu. Que l'entrée dans chaque bon. Quel entre dans chaque bon. Quel entre dans chaque bon. Frappez-moi. Frappez-moi. Quel esprit de Dieu. Hey! Je suis capable de vendre.